On est ici à Kigali, sur mon Kigali. On est chez Hélène. C'est une femme qui vit ici. Elle vit ici avec ses 6 enfants. C'est dans cette maison qu'on vient lui aider à surmonter cette pandémie de coronavirus. C'est la dernière maison qu'on voit avant d'entrer dans la forêt du mont Kigali. On vient ici venir en aide. Une femme qui vit dans cette maison avec ses enfants. C'est la dernière maison avant que tu entres dans la forêt du Timon Kigali. Elle s'appelle Hélène, elle vit dans cette maison avec ses enfants. C'est dans cette maison qu'on vient voir Hélène. Elle vit ici dans cette maison avec ses 6 enfants. On voit que c'est la dernière maison avant d'entrer dans la forêt du mont Kigali. C'est ici. On vient ici lui donner de quoi à manger dans ces jours de pandémie du coronavirus. On remercie beaucoup Fanny qui a fait que ça soit possible et les autres qui aident à ce projet de bien ces gens. On les remercie beaucoup. On vient ici aider cette famille dans cette période qui sont difficiles de la pandémie du coronavirus. On vient avec des provisions que Fanny, qu'on remercie beaucoup, qui a fait que ce projet soit possible. Salut, salut. On est venu avec des haricots, avec du sucre, et la farine de maïs. Et de l'huile d'arachide, c'est pour aider ces gens dans cette période de la pandémie. Il y a aussi des savons. Ça, c'est de l'huile d'arachide. C'est la maman, elle s'appelle Hélène. Voici ses enfants. Elle vit ici dans cette maison. Avant la période de cette pandémie du coronavirus, il essayait de prendre en charge ses 6 enfants et il faisait un travail journalier qui n'est pas possible maintenant à cause de la pandémie du coronavirus. Okay, on remercie beaucoup Fanny et tous les gens qui ont fait que tout ça soit possible. Cette famille, ils sont ravis, ils sont contents de cette ode qu'il vient d'avoir. Merci, famille.